Bonsoir tout le monde, bonsoir Fa Connexion, bonsoir Famille Mardoché, bonsoir toutes amies Fa Connexion un peu partout à travers le monde. Non, moi c'est Luz Marseille, c'est un plaisir pour moi capable venir aujourd'hui à présenter une petite tranche d'information ça. Eh bien, cette information ça, la concentrer exactement sous école du dimanche dans l'église phare de la cité. Il y a une institution qui fait un pile bel travail, qui baille un pile moniteur, qui formé un pile monde, qui même après formation monsieur, gagné qui devenu pasteur, gagné qui devenu docteur. Gagné qui est devenu évangéliste, maestro choral, etc., etc. Donc, c'est une institution qui a une importance capitale dans le développement de l'Église là. Alors, dans le moment où ça n'a parlé avec vous là, l'IPRAL clôturé troisième trimestre. Donc, c'est comme ça. Il y a un programme très, très important qui ont mis sous pied, il y a un programme qui remplit. Eh bien, nous demandons tout le monde qui suivent tranche information ça pour être capable de mettre main ensemble avec le comité de l'école du dimanche, les moniteurs, spécialement surintendant, eh bien pour être capable de faire travail ça réussir. C'est un travail qui peut être fait en collaboration avec plusieurs autres églises. Dans zone Martissant, zone Soudal, zone Breya, etc. Dans toute zone environ. Donc c'est comme ça qu'on a demandé aux mêmes qui ont possibilité pour longer mes bails pour que le travail soit capable de faire. Qui ça qui doit faire pour que le travail soit réussi? Eh bien c'est collaboration tout le monde. Et qui est important que le travail soit gagné, c'est parce que travail ça, li considéré un premier pas qu'a fait de la part des églises pour que Martissant, zone Carrefour, zone et des Caillettes, zone Grand Ravine capable retourner dans la normale côté monde qui vivent, côté la vie capable vraiment vinn janteye auparavant. En vente, il y a tout problème ça. Mais l'Église doit faire un pas pour que le travail soit fait. Donc, c'est dans ce sens et comité de l'école du dimanche, pendant qu'il a clôturé et semestre-là, eh bien, il a remis, mettez sous pied un programme de grande envergure que nous avons demandé tout le monde indistinctement. Quand c'est même le FA, quand pas même le FA, des pousses dans la zone là, ou capable de participer. Que ou pas dans la zone là, des pousses haïtiens travaillent ça, notamment que ou participer là-dedans, pour qu'on joue qu'à dire ok, si zone ça vient retourner dans la normale avec et instance de prière, non, de méditation, évangélisation, eh bien, ou sentir fier qu'on t'ait participé dans ce type de programme. Donc, je ne vais pas parler plus. Je vais tourner tout de suite avec plus d'informations avec Pasteur Romnal Kola. C'est lui-même qui prend le tout détail sur le programme qui va le dérouler à partir de demain samedi. Il a commencé. Je vais tourner tout à l'heure. Nous tournons et nous comptons. Et qu'on y a là, en nous tendant
pasteur Ronald Kola, lui-même qui pral by tout détail sous programme ça. À nous prêter attention et nous croyons que nous sommes capables d'apprendre de qui ça programme n'a yé, qui j'en pral fait, qui l'a commencé, etc. etc. À nous prêter attention à ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir chaque monde, et particulièrement tout moniteur de l'école du dimanche. Et c'est par ce coup-là, je suis content pour que capable partager avec nous ou bien faire un rappel sur quelques informations que nous avons déjà, et que ce soit dans la réunion des moniteurs que nous avons fait dimanche passé, que ce soit dans différentes annonces que nous fait l'église là. Informations ça a concerné et série d'activités d'affaires pour clôturer trimestre missionnaire. Là. Série d'activité ça y a commencé samedi demain donc samedi 23 et y a fini dimanche 31 dans matin. Y a commencé samedi 23 dans matin et y a fini dimanche 31 dans matin. Qui ça qui gagne là-dedans en détail. Pour bien information, c'est que samedi matin 23 mars là, n'a bien un gros réunion la prière. Réunion la prière ça l'a commencé à 9h du matin et l'a fini à midi. C'est samedi 23 mars là. Pour qui ça réunion prière ça? Raison principale ou bien but principal réunion prière samedi matin, hein? C'est pour bon Dieu ba nous victoire. Ba nous victoire dans campagne d'évangélisation nous pour faire dans dimanche matin. C'est pour bon Dieu accompagner nous, c'est pour bon Dieu armer nous, c'est pour bon Dieu préparer nous pour que nous capables à faire une campagne d'évangélisation extraordinaire dans quartier Martissant. Particulièrement zone en haut soudal avec toute entrée manigayo donc c'est dans zone ça que nous braler parcours tourner d'évangélisation hein? Et n'a commencé l'église là et n'a monté n'a fait direction Milri direction Romulus direction Bria et monté soudal et descend dans zone Bain etc. donc c'est différent parcours ça que n'a fait dans dimanche matin donc nous connaît que zone dans son zone qui gagne en pile risque là-dedans bon tout côté ta capable gagner des risques mais nous connaît particulièrement Martissant ces derniers temps dans pile risque là-dedans donc nous ta remet pour que bon Dieu li avec nous dans activité ça donc c'est pour ça n'a venir la prière samedi matin ça c'est premier cause hein. Mais la deuxième information c'est pour dimanche matin. Dimanche matin l'école dominicale a commencé à 7h. Donc ça veut dire n'a fonti effort pour nous venir plus bonheur. N'a commencé à 7h et n'a fini à 8h. Maintenant à 8h pour arriver 9h30 n'a gagné culte du matin. Donc service là les papes durer l'heure qu'il compte durer hein. Son service qu'a fait dans 1h30. L'a commencé à 8h et l'a fini à 9h30. Maintenant à 10h représentant ou bien délégation qui a sorti dans plusieurs autres églises en Martissant a venu rejoindre nous le phare. N'a déplacé ensemble et nous pral faire ça me relé en grande tournée d'évangélisation. J'aime te commencer dit là dans zone que nous ciblé pour nous aller, c'est zone en haut soudal. C'est là que nous pral aller, c'est là parcours principal là à pied. N'a rentré dans plusieurs ruelles, n'a fait un pile groupe mais n'a fait de grands groupes, n'a fait des groupes de 20 à 25 personnes et ce groupe ça qui pral rentrer dans différents la cour, différents cailles pour capable présenter l'évangile. Dans la réunion de prière n'a fait samedi matin, dans la dernière partie de notre prière, ça veut dire entre 11h et midi, pasteur Jacques des loges, c'est lui-même qui a accompagné nous dans orientation sous campagne d'évangélisation. Là va faire une présentation sur comment nous pral diviser groupe yo. Comment parcourir à pied et qui message que nous pral bail dans tournée d'évangélisation ça. Qu'on dépliant que l'a préparé et l'a venir avec des pliants ça que nous capable nous-mêmes utiliser dans campagne d'évangélisation. N'a fait à peu près 20 groupes. N'a besoin 20 chefs d'équipe. Chaque chef d'équipe c'est même qui pral gagner pour yo li message parce que nous avons plusieurs carrefours, plusieurs coins que nous ciblé, les nous vient en coin ça nous pral faire en prière. Et après la prière ça nous va lancer un message donc c'est chef de groupe ça qui va lancer un message ça bien sûr c'est un message d'évangélisation donc vraiment ou besoin là samedi matin pour capable prendre consigne
et pour capable participer dimanche matin dans tournée d'évangélisation ça. Donc ça c'est deuxième gros activité que l'a gagné. Troisième gros activité que l'a gagné, c'est du lundi 25 au mercredi 27. Lundi 25, mardi 26, mercredi 27, n'a gagné trois après-midi de prière et de consécration. Prière à consécration ça a eu objectif yo, c'est pour permettre que croisade que nous pas réaliser dans fin semaine elle capable bon succès. Donc si prière samedi matin c'est pour tourner d'évangélisation capable bon succès, prière lundi, mardi et mercredi c'est pour succès croisade là. Comment prier ça la fête? L'a duré 1h30. L'a commencé à 5h, l'a fini à 6h30 dans l'après-midi. Lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine. L'a seulement gè la dan chanter, prier, gè différentes requêtes qu'a fait et plusieurs églises qui impliqué dans programme nan. Y a voyé des délégations. Et la plupart du temps c'est l'église qui a voué mon cap diriger, c'est l'église qui a voué mon cap prêcher, comprendre pour différentes activités ça. Donc nous invitons vraiment tout moniteur et tout élève l'école du dimanche, tout le monde le fait pour que nous là. C'est ça qui fait que me voyez message là et me dit vraiment que tout le monde là dans programme ça. Donc ça c'est troisième partie programme pour semaine, sorti lundi rivé mercredi, n'a bien trois soirées ou bien trois après-midi de prière, 5h pour 6h30. Nous pas fini ta, nous pas commencé ta. Donc on a commencé à 5h et on a fini à 6h30. Mais la troisième partie activité semaine nan c'est croisade là. N'a gagné trois soirées de croisade et évangélique. Soirée ça a aussi jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 mars. Fois ça, nous pas dans l'église là, mais n'a dehors l'église là, n'a sous terrain l'église là. Toute planification déjà faite pour que nous gagnions stand, pour que nous gagnions monde qui fait son, pour que nous capable vraiment couvrir quartier et pour nous prêcher l'évangile. Gagne un pile groupe qui soutient dans l'autre l'église qui vient chanter dans croisade là. Gagne choral soldat de Christ qui chanter dans croisade là. Gagne groupe d'éophile qui chanter dans croisade là. Gagne plusieurs prédicateurs. En fait, nous gagne trois prédicateurs qui déjà planifié et a plat pour yo capable prêcher dans croisade là. Donc son bagage extraordinaire que n'a fait et n'a vraiment la prière pour que bon Dieu fait bagage ça un succès extraordinaire. Donc croisade là j'aimerais dire lancé jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 dans l'après-midi et n'a commencé à 5h, n'a fini à 7h. N'a commencé à 5h et n'a fini à 7h. Ça c'est pour 28, 29 et 30. Maintenant le dimanche 31 matin, n'a clôturé trimestre missionnaire là. Le trimestre missionnaire là donc son grand culte que n'a gagné dans l'église là pour clôturer trimestre missionnaire là. N'a gagné l'école du dimanche le matin à 7h30 et puis à 8h30, n'a gagné culte de clôture et trimestre missionnaire là. Et c'est dans clôture ça que tout moniteur a besoin de remettre enveloppe missionnaire classio. Vous comprenez? Dans cul ça, tout moniteur a besoin de remettre enveloppe missionnaire classio. Donc ça c'est comme ça que dans clôture semaine activité missionnaire. Nous vraiment mandou pour la prière pour que bon Dieu capable faire bagarre ça en succès parce que nous connaissons grand pile défi. Donc pile en pile gros défi pour nous lever. Nous pas gagné tout paramètre dans nous mais bon Dieu connaît, il est capable faire semaine ça en semaine de succès. Pour le faire une bouche bandit, pour le faire une bouche l'appli, pour le faire une bouche toute qualité de blousaille, toute qualité de manifestation, toute qualité qui est capable de servir comme contrariété, pour bon Dieu fermer bouche bagaille sa yo, pour que semaine soit capable de bon succès, pour que le capable de réussir. Croisade là a coûté en pile cob. L'école du dimanche, pas de cob, nous connaissons ça déjà, nous connaissons que nous ratons le premier trimestre, nous ratons bonne partie dans le deuxième trimestre, donc nous pas de recette du tout. Donc au niveau du comité on a collé pièces j'en ont capable les membres du comité a fait ça capable pour supporter programme non ou même tout sous comme moniteur si vous capable aider pas quitter ou venir demander ça d'ailleurs on est dans tradition pas dans l'école du dimanche pas qu'on demander monde comprendre donc sous senti son bagage qui est intéressant sous senti son bagage que bon Dieu mettez sous cœur qu'on t'a voulu participer là dans l'autre gens en plus de présence en plus de motivation qu'on a fait sous cabaille cob
eh bien la bienvenue. Sou gon zanmi ou ki ka bay kòb, la bienvenue. Sou gen boss nan travay ou sou gon moun kelkon kou konnen kelkon sa kote li ki kapab ede, la bienvenue parce que budget pou croisade la seulement li autour de $40,000 haïtiens. Ça veut dire $200,000. $200,000 $40,000 haïtiens, par contre comme kòb li bay. En américain moun ki on fait calcul là à $82 pour $1. Il y avait comme ça bay, mais nous vraiment besoin l'argent et l'argent nous pas gagne disponible. Donc nous pas demander personne, mais si on mon estimer que son cause qui est importante et que il gagne moyen que le capable supporter, nous inviter le avec comité l'école du dimanche, parler à comité l'école du dimanche et nous capable aider dans sens ça. Si on fait jeune la caillou, jeune personnel, fait jeune pour programme ça. Si on fait vers de nuit la caillou, vers de nuit personnel, fait vers de nuit pour programme ça. Si pas qu'on fait ni ou ni l'autre dans samedi là yo, mais prend autant à part quand même dans dévotion spirituelle ou dans dévotion régulière pour capable prier pour programme ça. Donc nous espérons que bon Dieu a béni programme n'a fait succès et que par la suite non bon Dieu va glorifier. Merci en pile, bonne nuit tout le monde. Oui, c'était notre pasteur Romnal Kola qui a donné tout détail sur trimestre missionnaire qui peut être réalisé au niveau de l'école du dimanche en collaboration avec plusieurs églises dans la zone. Et on m'a dit tout le monde, s'il vous plaît, by participation nous Jean Kokapop. Joignez avec yo pour que ou capable faire participation ça arriver joindre nous. Alors kounya don pral jouer en musique pour et n'a mande prêter attention avec les sur musique de la chorale interphare et tout à l'heure n'a venir avec information téléphone ko ta karele link PayPal que tu as utilisé sous ta vle supporter un type de programme. OK, n'a tourné tout à l'heure avec Coran Interfam. Je vais pas voir ce qu'il y a jour.
Amen, amen. C'était avec la chorale Interphare. Ça, c'est une vidéo que nous avons réalisée. L'église, a fêté 45e anniversaire. Le ça, nous étions là et nous avons réalisé la vidéo. Ça. Eh bien, ce bel travail, ça, qu'a fait dans l'église, ça. Se koral sa yo kap chante, se groupe sa yo kap performe, eh bien ki fè ke sa nou fè, sa fè nou mal le wè situasyon peyi a empêche travay sa ou fèt. Le bandi nèg a zam ki mete la terreur et que empêcher moun sorti, empêcher moun fè travail sa ou. Et c'est youn baga qui motivé le comité de l'école du dimanche de l'église pour mettre sous pied un tel type d'activité. Donc ou même qui remet pays d'Haïti ou même qui remet l'église, pas seulement l'église Kotoalea, mais l'église en entière, ou même qui remet ça l'église qu'a fait dans la communauté, notamment pour supporter travail ça, pour que la vie retourne à la normale dans tout pays d'Haïti, pas seulement dans une petite zone, mais tout côté de pays. Pour que nous même qui à l'étranger, qui a gagné intention à passer des vacances, eh bien, nous allons sans qu'elle saute. Nous-mêmes qui t'arrêtons à implanter une petite entreprise dans le pays, nous allons faire sans problème. Nous-mêmes qui sommes petites, nous qui fait dans le pays étranger, mais qui t'arrêtons que y a le web qui côté nous sorti, côté nous t'es fait, côté nous t'a vivre, côté nous grandi, nous amener à aller passer un petit moment sous plage. Mes amis, il y a tellement de belles plages dans le pays d'Haïti, tellement de belles bagailles pour vous, et bon, tu as remis petit tout à l'oué bagaille ça, sans problème, sans peur de kidnapping, sans peur de terroriser. Donc, c'est dans ce sens ça, nous avons demandé, non seulement on va prier pour pays, mais en même temps tout on va bailler participation financière pour que le programme ça ca réaliser. Donc pour faire ça, on capable aller sur le link ça qui relait www.paypal.me/farconnexion. www.paypal.me et bien yon bar farconnexion avec S, bien entendu, ou bien on carrele dans le numéro ça qui c'est 804-551-8117. 804-551-8117. Et bien, sous table, participer, t'as une belle participation dans le programme ça. Bon, mettez le plus gros pour c'est www.paypal.me/farconnections ou bien 804-551-8117 pour supporter yon tel genre de programme. Donc, c'est comme ça, mes chers amis, mes frères et sœurs, nous quittons. Et eh bien, nous souhaitons que vous passiez une bonne soirée, nous passions un bon moment et pas oublier que bon Dieu remet ou pas oublier que faire de la cité remet. Donc, encore une fois, nous pouvons attendre une belle petite sélection ça de Chorale Interphare. Some belle musique. Eh bien, enjoy. OK? Thank you.
Oui, c'est là nous mettons fin à titre tranche d'information ça. Nous souhaitons que ou t'étendez information yo et bien on fait suite. Nous souhaitons passer une bonne soirée ou bien si vous suivez pendant la journée, ou passez une bonne journée. Que bon Dieu bénisse. C'était avec vous frères ou amis Maestro Los Marseille. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.